Et on se retrouve sur la route avec ce vélo Adrisport qui est fini d'être monté. Donc c'est vraiment une première vidéo aperçue. Donc je ne vais pas vous montrer le vélo en action, c'est vraiment pour vous faire des plans à l'arrêt. Déjà on va commencer par parler par la marque Adrisport qui est une marque de vente par correspondance uniquement. Donc ça se vend que par internet, vous pourrez trouver les vélos uniquement sur leur site internet. Donc je vous le mets en lien et dans la description. Donc Adrisport, c'est une marque qui existe maintenant depuis plusieurs années. Ils en sont à leur deuxième modèle de vélo aéro. Donc le modèle précédent, vous ne le trouverez plus sur le marché. Il a été remplacé depuis, je crois, cette année, voire l'année dernière, par ce nouveau modèle qui est assez atypique et qui, franchement, je trouve, est vraiment très joli. Donc on va voir rapidement un peu en détail ce vélo, de quoi il est composé. Donc d'abord, il est composé d'un kit cadre RD Aero. Donc le kit cadre, il comprend la tige de selle, il comprend le cadre bien sûr et un kit potence cintre intégré bien spécifique à ce vélo qui est vraiment du plus bel effet. C'est un peu à la mode en ce moment les cintres combi, cintre et potence intégrée et je dois dire que c'est vraiment sympa. Je vous en reparlerai vraiment dans une prochaine vidéo avec mon ressenti, etc. J'ai déjà pu faire 130 km avec le vélo, donc je peux déjà en parler un peu, mais on va essayer de ne pas trop en parler encore. Donc, si on descend un peu sur la machine, on retrouve deux portes bidons carbone. J'avais eu la mésaventure, si vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne Cédric Guérin, d'acheter des portes bidons carbone qui n'étaient vraiment pas bons. Je les ai même jamais utilisés. Et bien, je dois dire que ces portes bidons sont vraiment d'excellente qualité. Pareil, de la même façon, on en reparlera. Ensuite, on se retrouve sur la même ligne avec une paire de freins Durace. Donc 9000, ce sont les tout derniers freins Durace. Donc d'une progressivité et d'un freinage vraiment très puissant, même sur roues carbone comme ceci. Donc les roues, on peut en parler, ce sont des roues Adrisport Carbone Pro 6.0. Donc 6.0 qui doit vouloir dire soit 6 mm de haut, mais je pense qu'ils sont plutôt à 5,6, un peu profilés comme les fameuses roues américaines Zip. Et on retrouve ensuite en descendant, là, et là c'est là où ça devient vraiment du sérieux, on retrouve un pédalier SRAM Red, mais pas n'importe lequel, car c'est le tout nouveau kit SRAM Red E-Tape. Donc E-Tape, ça veut dire électrique et sans fil. Donc ça, c'est vraiment un grand plaisir de vous présenter ce kit. On aura l'occasion de faire une vidéo seulement que sur ce groupe, car vraiment, c'est une découverte pour moi. C'est la première fois que j'ai l'occasion de rouler sur un SRAM Red comme ça. Et je trouve que c'est vraiment un pur bonheur. Je crois que je vais avoir du mal à me réadapter à mon vélo de tous les jours une fois que je devrais rendre ce vélo. Mais bon, on va en profiter pendant qu'il est dans mes mains. Donc je fais cette première vidéo dans un seul et unique but, vous présenter le vélo et surtout vous demander si vous avez des questions en particulier pour lesquelles je pourrais répondre. En ayant ce vélo pendant 15 jours en ma possession, je vais pouvoir vraiment tout tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur cette vidéo et uniquement sur cette vidéo. Et j'essaierai dans mes 2 ou 3 prochaines vidéos que je ferai avec ce vélo de vous répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible. Je suis même en contact bien sûr avec le fabricant, donc je pourrai lui poser directement des questions, il me répondra. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Allez, moi, je vais vraiment en profiter. J'ai abandonné mon vélo et pendant 15 jours, je vais rouler avec ce RD Aero qui est vraiment... J'ai déjà roulé 130 km avec, comme je disais tout à l'heure, et c'est vraiment une petite bombe. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Normandie Cycling. Ciao. 7,10 kg, donc à peu près 7,1 kg.